Salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire concernant les Worlds. Donc je vous conseille de rester tout le long de la vidéo. Donc car vous allez voir que il nous est arrivé un truc, on va dire, pour une envergure de ce tournoi un petit peu abusé. Donc vous allez voir, je vais vous raconter tout ça. Donc en tout cas j'espère que vous de votre côté vous avez réussi à aller le plus loin possible avec vos équipes. Et enfin, si vous n'avez pas d'équipe, j'espère que vous allez le tenter avec l'étape 2. Donc déjà j'ai dû changer d'équipe car du coup Prads a mis en son tel en réparation, du coup il pouvait pas faire le tournoi avec nous et un de nos joueurs était mineur. Donc on s'est retrouvé à 3 et trouver une équipe à 3, enfin trouver deux joueurs sérieux comme ça les derniers jours, dernières instances, c'était assez compliqué. Du coup bon, on a dû se séparer. Donc je sais que Storm était dans une autre équipe et je crois qu'Adrien n'a pas pu faire le tournoi. Donc moi j'ai rejoint une équipe au dernier moment. Donc en vrai on n'a pas pu trop se train. Donc on a vite enchaîné les premiers matchs. Donc je vais vous montrer tout ça après sur AGB. Mais c'est vrai que déjà le feeling est assez bien passé. Heureusement parce que bon pour l'étape 3 c'était les 512 meilleures équipes. Moi j'ai vu il n'y avait pas toutes les équipes qui se sont inscrites. On était genre peut-être 400 équipes, un truc comme ça, au début du tournoi. Donc qui a commencé, je sais plus, c'était le 3 ou le 4, un truc comme ça. Et donc je vais vous montrer sur GB déjà la première game ou deuxième game qu'on a fait. On a dû faire dans la soirée. Déjà la première game, donc ça s'est bien passé. Et malheureusement, je savais pas qu'on allait enchaîner une deuxième game le soir même. Du coup, bah moi je suis parti en soirée et là je me suis fait spam sur Discord à 23h30 et ils avaient besoin de moi. Ça veut dire qu'ils ont dû faire un 4v5. Construit une équipe, ils ont gagné en plus, donc GGAE. Et du coup bah après quand je suis arrivé on a déroulé le jeu. Mais c'est vrai que c'était, moi j'étais en soirée, j'étais pas prêt à jouer, donc c'est vrai que j'ai pas fait vraiment de très bonnes games ce soir-là. Mais bon, c'était surtout pour être présent à 5v5 quoi. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors du coup les potos, le round 1 ça s'est plutôt bien passé, on va pas se mentir. On a fait, attendez tant que ça charge, hop. Voilà. Tac tac tac. Voilà. Alors la première game on l'a perdue parce qu'on n'était pas du tout dans le tournoi et moi clairement j'ai fait de la merde. J'étais pas concentré, 4-8 hein, la preuve. Du coup on est tombé, ouais, c'était sur crash. Après deuxième game ça s'est mieux passé, on était sur standoff R&D, mieux organisé déjà parce qu'il y avait un lead in game, donc beaucoup mieux organisé. Et là on a pu dérouler notre jeu. Donc on avait la confiance sur la troisième. Moi j'ai fait une bonne game en plus, j'ai sorti Goliath et Hellstorm, ça a bien servi sur la fin. Donc c'était tranquillou, plutôt easy. Après dernière game, point strat, voilà. On a tous fait du bon taf. Mais cette équipe était pas super forte. On va pas se mentir. Après on a enchaîné sur Game Battle. Tac tac tac, c'était quel round? Du coup moi le round 2 j'ai presque pas participé parce que en fait ce qui s'est passé c'est que moi je pensais qu'on avait que les prochains matchs étaient le lendemain. Ça, il s'avère que pas du tout, on en a eu un match 2 heures après à 23h30. J'étais déjà parti en soirée, c'est à dire qu'ils m'ont appelé, ils m'ont spam, mais ils ont dû faire le premier match 4v5, ils ont gagné. Du coup moi je les ai rejoints un peu tardivement en soirée. Ouais, j'étais en soirée, j'ai joué en soirée, du coup bah sans casse, enfin sans son, c'était plutôt compliqué pour moi, on va pas se mentir. Du coup bah on les a quand même battus 3-0 hein, cette équipe là. Après le round 3, donc qu'on la code, c'était le lendemain. Donc on était motivé, pourtant on arrive en 2, on perd 2-0. Les deux premières maps on les a perdues. Point strat, on s'est fait éclater. Pourtant Zeldrick et Salad ils étaient en forme hein, sur la game et on s'est fait éclater. On jouait pas du tout en équipe. R&D, on a eu un joueur qui a crash à, quand il y avait à 4-3 je crois. Du coup bah on a perdu le mental, on s'est fait éclater. Et après du coup on s'est remobilisé, on s'est concentré, on a dit bon les gars on perd pas là-dessus, on peut pas sortir du tournoi là-dessus. Et là on s'est focus et on les a éclatés. On les a éclatés. Donc on a regagné les trois dernières games. Clairement, R&D, j'ai sorti un 1v3.
Et en 1v2, franchement, l'équipe est en folie. C'est une bonne team, hein, quand même, la code. Et la dernière game, voilà. Donc ça s'est bien passé à ce tour-là. Après le prochain tour, on est tombé contre cette équipe. Je crois qu'on leur a mis 3-0. Ouais, on leur a mis 3-0, je crois. Je vais pas vous montrer les games, mais oui, on leur a mis... Je sais plus c'est où. Ouais, cette game-là... Non, cette game, c'était avant cette game-là. Ah non, on a perdu une et on en a refait une. Ouais. Ah non. Je sais pas, ouais, pourquoi j'ai pas la troisième. Mais j'ai pas la troisième, c'est bizarre. Bon, en tout cas, on les a gagnés 3-0. Et ce qui s'est passé après, on est arrivé en 8e de finale. Et là, comme vous pouvez le voir, on a perdu, mais sans jouer. Il s'avère que la team d'en face n'est pas du tout fair-play. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que vous pouvez voir résolution du match spécialiste assistance. En gros, ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont invités, ils ont rejoint, tout ça. Donc, nous, il s'avère que nous, on ne connaît pas trop Game Battle. Hein. On n'a pas trop joué dessus déjà. Enfin, on ne sait pas trop comment ça marche. Du coup, ils nous ont rejoints. Voilà, on s'est invités. Et là, ils ne m'étaient pas prêts. Je ne sais pas pourquoi ils ne voulaient pas mettre prêt. Pourtant, il y avait un Français qui parlait en face. Ils ne voulaient pas mettre prêt. Au bout de 15 minutes, ils ont tous quitté. Et du coup, on a été voir sur Game Battle. Et ils avaient marqué qu'ils avaient gagné le BO5. Donc, vainqueur, là, comme vous pouvez le voir. Du coup, on a appelé assistance, etc. On a envoyé des screens. Et là, en gros, l'assistance nous a dit... Je vous ai envoyé un message sur Game Battle. Si vous répondez pas dans les 15 minutes, c'est comme si vous étiez AFK. Et du coup, vous êtes forfait. Et du coup, on a parlé pendant 2h30 à l'assistance. Ils en avaient strictement rien à faire. Et ça avait, bah, du coup, ils sont passés en quart de finale à notre place, tranquillement, sans nous jouer. Et nous, on avait, je vais pas vous mentir, qu'on avait le moral à zéro. On était dégoûtés de sortir par forfait comme ça. Franchement, on est dégoûté. Pour un tournoi de cette envergure, sortir comme ça, c'est décevant. En plus, ils se sont pris 3-0 juste après par la anomalie. Donc, bon, tout ça pour se faire taper. Donc, on est sorti du tournoi en 8e de finale sans avoir joué le match. Donc, je vous mens pas. Hein, si vous pouvez voir dans mes dernières parties, j'ai aucune partie contre ces équipes-là. Aucune partie contre. C'est mes dernières, c'était contre l'ATS. Et ça, c'était en classé. Donc, non. Donc, bah, bien sûr, on va se train pour la deuxième chance le 16, là. Le 16 juillet, ça commence. Donc, là, bah, on se traîne avec l'équipe. Donc, moi, je pars un week-end, là, donc je vais pas pouvoir jouer avec eux. Mais bon, c'est vrai que c'est rageant. Mais bon, on va essayer de revenir plus fort et aller plus loin possible cette fois-ci. Essayer de dépasser les 8e, du coup. Et, bah, ouais. J'espère que en tout cas ça va le faire. En tout cas, on a vraiment. J'étais surpris parce que j'ai pas beaucoup d'heures de jeu avec eux. Bah, les heures que j'ai eu de jeu avec eux, c'est en tournoi. Donc, franchement, c'est pas mal ce qu'on a pu faire contre certaines équipes. Franchement, c'est propre. Donc, de toute façon, je vous en dirai plus par rapport au 16 juillet. Je vous partagerai tout ça. Et j'espère qu'on ira plus loin. Voilà, les potos, je vous laisse avec une petite musique pour la fin du gameplay. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis salut à la prochaine.